temps. Bon, allez, on va passer. Bon. Non, je voulais le mettre en mode campement pour qu'il reconstitue ses troupes beaucoup plus rapidement. Bravo, prochain. Qu'est-ce qu'ils font? Non, attaque les orques, bon sang. Mais il est bête. Il attaque une colonie humaine, il part, les orques débarquent, ils prennent la colonie humaine, et les nains, ils rentrent chez eux. Ils sont bêtes. Oh, par contre, Artois, il est vénère. Artois, il est vénère, il va récupérer sa maison. Putain, oh, t'imagines, Nia, elle va faire quelque chose. Les mecs de Bretonnie, c'est pas normal. On est un peu perturbé. On est tous un peu perturbés, là, j'avoue que... On est dans la perturbérance. Ah putain, faut vraiment qu'il reconstitue, parce que moi, la cavalerie, elle a pris cher, quand même. J'en ai pas perdu. Non, j'en ai pas perdu. Avec tous les kills qu'ils ont fait, il y en a que deux qui ont des grades. C'est triste, quand même. Je vais aller chercher des pompes à eau. Je vais essayer. Ah, tu tentes. Moi, du coup, j'ai bifurqué pour essayer de récupérer Lyonnaise dans mon royaume. Bah moi, comme j'ai essayé le, enfin, j'ai enfin la confédération possible avec Paravon. Paravon et Quenelle. Je vais essayer de tirer là-dessus. Pala 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 pala. Quand je vois l'armée qui a par avant, si je la récupère, mon économie paysanne va être complètement fucked up. Je prends Lyonnaise, si après je prends le Artois, ça pourrait être bien. Attention, je recrute Réolas Armistead. Ouh, qu'est-ce qu'il va donner? Bienvenue à toi, Réolas. Que vas-tu nous proposer? Il va partir vers chez toi pour essayer d'aller t'aider avec les morts vivants. Bah, ça se passe bien, les morts vivants. Maintenant que j'ai compris que si on joue les batailles, ça peut se faire. Ça peut se faire. Alors, capturer et occuper la colonie suivante, Mousillon. Ça, par contre. Tout ce que l'agent d'Albéric a réussi à découvrir pendant son excursion à Mousillon est que la cité n'a jamais été. En aussi piteux état, frustré par le manque de pistes, mais stimulé par l'enquête, Albéric sait exactement ce qu'il doit faire. Le duc rassemble ses troupes pour guerroyer. Le trident de Manane trône fièrement sur l'étendard de Bordelot. Mousillon sera pris par la force et les habitants qui survivent devront répondre à Albéric ou périr sous la lame. Bah, c'est-à-dire que les habitants de Mousillon, ils sont pas très frais. Oh non, les dieux sont en colère. Un tribut de 1000? Ou sinon, j'ai moins 3 d'autorité? Pendant combien? 4 tours? Eh ben, fuck l'autorité. Moi, je te donne pas de l'argent au dieu, mais je l'emmerde, le dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Des présages sont mauvais. Oui, bah alors là... Bah alors là, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, de toute façon, l'autorité, elle voit très bien dans mes villes, donc je vous emmerde. Ah, mais j'ai les docks à augmenter! Et ça augmente beaucoup les revenus, donc c'est très intéressant. Je crois que j'ai augmenté les docks en priorité, c'est... C'est vraiment... Non, si. Ça va me donner tellement de pognon. Attends, est-ce que je les ai améliorés, moi, les docks, d'ailleurs? Ouais. J'en ai besoin. Je lance l'amélioration. Ça fait une putain de croissance, en plus, les docks, hein. Ah ouais, non, mais là j'en ai vraiment besoin, quoi. Alors du coup, lui, pour le moment, il est mal en point. Ouais, mais si je l'attaque, le problème, il y a une attaque de siège, en plus que je suis mal. Oh, tu vas te mettre en mode campement. Là, je suis trop lent pour les TD. Lolo, t'inquiète. Ah, tu peux pas faire... Ah mais non, mais du coup, j'ai pas d'argent. Du coup, j'ai pas d'argent pour faire chier. Du coup, je vais juste me mettre... rester dans la zone, quoi. Pour faire chier. Bah voilà, puis niveau technologique ça avance, et puis voilà, on peut rien demander, la Bretonnie ça veut toujours pas faire des trucs, non ça veut toujours pas, donc c'est pas grave, hein. On leur en veut pas trop, hein. Voilà, et bah je vais passer, t'as oublié un truc, hein. Je sais pas. Non, j'ai mis en campement, lui il peut pas, j'ai pas d'argent, le truc en cours, non.
Je crois que j'ai en oublié. La Bretonnie a fédéré... Oh non, Artois. Tu étais à moi. Et les nains font la paix avec moi. Du coup, ils vont peut-être te proposer... J'espère qu'ils ont... ils t'ont peut-être pas proposé la paix. Bon, si t'attaques, de toute façon, je te rejoins dans la guerre. On a perdu Artois. L'empereur Karl Franz. Il y a toujours Marineburg. Ouais. Ah ouais. C'est super lent, je m'en fous. Donc j'en ai à foutre, moi, de vos histoires. Vous pensez que je suis concerné par votre merde, là? Non, mais oh. Puis quoi encore? Accord commercial et puis accès militaire. Voilà, on en parle plus. Je ne me suis pas coiffé les sourcils. Voilà, c'est tout. C'est horrible. Tac. Et puis de Minet Land. Non, ils m'aiment pas. Enfin, ils sont pas chauds. Pourquoi ils sont pas chauds? Mais si, ils sont super chauds. Arrête de déconner. Toi, tu fais de la politique. Ouais, on non, comprend rien. Avec l'Empire et Middenland. Mais je sais pas si c'est positif de faire avec l'Empire par rapport à la Bretonnie, je sais pas. Alors attends, si je vais voir mes relations avec toi. Quoique si, parce que l'Empire, ils aiment bien le fait qu'on traite avec Gasconie, Bretonnie. Donc si, je pense qu'en fait on n'est pas des ennemis, tu vois, avec l'Empire. Attends, si je vais avec la, si je vais alors voir la Bretonnie. Alors que Marineburg, autre chose. Ils aiment bien les traités avec la Bretonnie, ils aiment bien les actions militaires qu'ils aiment bien, l'affinité de base, ils aiment bien les traités avec Bordeaux, Artois, Lyonnais, Bretonnie, Bordeaux, ils aiment bien la guerre contre les Skyling, la guerre passée contre les Zembets, les traités avec l'Empire, ils aiment bien. Ouais, non, mais je pense qu'avec l'Empire, ça passe bien en fait. Ça, je t'avoue, ils s'en foutent un peu, mais globalement, ça, ils aiment bien. Ça reste voilà, positif, ça quoi. C'est minime, mais ça reste positif. Mais ça me rapporte un point. Voilà. C'est tout ce qui compte, parce que le truc, c'est qu'avec le temps, ça va ça évoluer, et donc si ça évoluait dans le sens contraire, ça allait pas. Yep. Alors... Bah du coup, ouais, on va tenter le commerce avec l'Empire, parce que du coup, c'est leur capitale, c'est sur une rivière. Moi, c'est fait, hein, le commerce avec l'Empire, c'est déjà en cours. Ah ouais, bah moi, je vais faire ça. Hein. Je leur proposerai. Très content. Écoutez. Toi par contre, t'es pas bien, je vais t'envoyer là-bas, histoire que tu régènes. Voilà. Toi t'as un point, nickel. Que vas-tu faire? Oui, mais trident de manane. Ah ouais, mais du coup, il a un attaque mêlée 6, puissance des armes 10%, usure moins 75% du usure haute mer. Attaque en mêlée plus 12, en attaque en mer. Capacité courroux de manane. Durée 5 secondes, cible terrain. Il fait inflige des dégâts magiques, grande zone d'effet, peut perturber les formations, agir les unités multiples. Ça, c'est niveau 6, et c'est combien que t'as le truc là? 9, ok, ça c'est niveau 7, ok. Rang 6. Il n'y a pas de problème. Est-ce que t'as... Ah, équipe ça plutôt. Oui. Ah, ok. Na. Voilà. Et là My reputation precedes me. On est pas trop mal. Voilà. Go à toi. Ouais, à toi de jouer. Confédérations, oui, ils sont... Ben, mais quoi encore? Connaissance de la dame. Les serviteurs de la dame souhaitent se rendre en pèlerinage sur les lieux saints du royaume. Une quête de foi de savoir. Ils vous demandent de faire un don pour leur noble cause. Coût de l'action du héros plus 40% tous les personnages. Taux de recherche plus 20%. Ou alors, entretien moins 30% des unités d'infanterie. Mais coût de recrutement plus 30% pour les unités d'infanterie. Ouais, bon, on va taxer les paysans. Ça réduit l'entretien de l'infanterie, ça me va. Et le coût de recrutement, j'ai pas l'intention de recruter dans les médias. Donc ouais, mon gars, pas de soucis. Alors toi, tu vas en profiter pour aller faire chier à ce niveau-là. Putain, mais c'est un succès. Mais quel succès?
Il est successful. Successful. Tristran, son Pégase là, ça lui a changé la vie, je crois. Ouais, j'irai peut-être pas jusque là. Depuis, ouais, il succède beaucoup plus, hein. Ouais, mais je doute toujours de lui, sache-le. Au fond de moi. Ouais, mais bon. Un doute persiste. Ah, le problème, c'est que je peux pas faire grand-chose d'autre. Par contre. Nice. Par contre, si, je peux faire... Ouais, mais si je commence à recruter, le problème, c'est que je vais gagner moins d'argent. Ah, et puis là, si tu recrutes en plus, ça va vraiment te coûter la blinde, hein, avec, avec le bonus que t'as eu, là. Après, je peux en prendre un. Ce sera déjà mieux. Mais pour dans l'immédiat, pas plus. Le temps que le doc s'augmente, ça augmentera beaucoup les revenus. Ouais. Puis dans deux tours... Putain, j'aimerais pouvoir... Fais en sorte que Lyonnais que je le confédère, ça serait vraiment bien. D'ailleurs, je suis à combien en termes de relations? 121, ça va donner plus 100. Ouais, ça devrait le faire. Déclarer Bretonnie, ça. Ok, la Bretonnie fait la guerre avec les nains. Mais il y a des orques au milieu. Vous voulez pas les finir, ces trucs? Il y a Marinebourg, il y a les orques. Ils ont pas envie. Ils ont pas envie. Faites mon con. Toi, est-ce que je peux faire quelque chose? Pas comme une agression, ça me va, accès militaire, ça me va. Ah, je vais faire un bas, comme ça au moins, ça fera tant pour avec le chaos quand il arrivera. Ici, on en est. J'ai les voisins du dessus qui se jettent par terre. C'est un délire. J'ai jamais compris. C'est mais... gênant. Ça fait des années que ça dure. Je deviens fou. Est-ce que je peux... Non, je pense que je dois pouvoir. Effectivement, je ne peux pas. Mais tu ne peux pas. Tu ne veux pas. Mais tu restes... Putain, seigneur. La clairière royale. L'enclume de Vaul. Non, j'ai pas fait ça. Chutes. C'est pas vrai. En fait, tu vas bouger parce que j'ai pas envie que tu prennes un trait tout pourri. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que... Eh, mais Bibabli, là, c'est toujours là, hein. Toujours debout. Ah ouais. Toujours debout. Ah bah attends, parce qu'il m'aime bien, je crois, maintenant. Moi, c'est pas ouf, hein. Non, il m'aime... non, en fait, non, pas du tout. C'est pas ouf du mais tout. Je suis à 39, ils veulent toujours pas... Ils veulent toujours pas signer un pacte de non-agression, hein. Tu peux pas tenter de les conquérir par la force? Parce que les elfes ils sortent pas. Paravon, on veut pas se tataner sur la gueule. Je peux le confédérer quand je veux en fait, maintenant. Ah bah oui, s'il te plaît. Donc paravon si tu veux, j'attends un peu parce que ça, sinon ça va me fucked up un peu tout le bon bordel, mais. Mais je peux. C'est voilà. D'accord, c'était. Merci. N'hésite pas à d'autres interventions de ce genre. Non mais ouais, je pense que je vais partir en guerre avec avec Bilali là-bas. Bilali. Parce que s'ils veulent pas ma paix, hein, ils auront ma guerre. Vous voulez pas ma paix, je veux donner ma guerre. Allez quand même. On s'y attendait pas. Mais... on fut surpris. Wow, c'est à moi. Bon, ça. Technologie progresse, construction progresse, l'argent je n'ai pas assez pour ça. Ah ok. Ah c'est ça qu'il faut que je fasse. Au niveau de l'empire... Qu'est-ce que tu veux dire? Au niveau de l'empire, est-ce qu'il y a possibilité de faire un petit accord commercial? Moi je suis prêt à vous proposer un petit paiement avec... Ok, il veut pas, mais il me donne un pack de non-agression. Chaque chose en son temps, ça viendra. Toi là-bas, t'es pas lié à l'eau. Alors. Non, mais je vais pas négocier avec eux, je sais pas trop ce qu'ils valent. Bretonnie. Non, c'est toujours pas lieu de s'améliorer, votre truc. Oh si, il a accepté un truc. Ce qui me surprend. Fortement. Ouais, ouais, très très fort. Bon, bah écoute, on a déjà progressé là-dessus.
Vous êtes en train de vous reconstituer de toute manière. Je pourrais en recruter, c'est vrai, oui. Je vais peut-être attendre quand même que je gagne un peu plus de thunes. Parce que j'ai ça amélioré qui coûte 4320. Ça fait beaucoup. Oui. Oh là, je sais pas trop. Tu prends un niveau, toi, que je puisse recruter des chevaliers avec toi, c'est cool. Never. Allez, j'en cote un autre. J'y recrute petit à petit, tu vois, tranquille. Je passe mon tour. Non, j'ai pas fait attaquer mon... Non. Tout cette expérience qui s'envole en fumée. Oh là 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 là, c'est triste. Non mais... Il allait passer niveau 10. T'imagines ça? Ça y est, j'ai mes champs au niveau max. Mais moi, je suis déçu. Bon sang. Brioche. La ville qui respire. C'est beau, ça. Ouais. Bon, bah toi, écoute, je sais pas vraiment quoi te faire faire. Je suis un peu emmerdé. Je passe par là. Hop là, regardons la carte. Allez, on va commencer. C'est un bordel. Là, je voyais pas si grande que ça, la Brittany. Ah, toi, ça y est. T'as des choses à faire. Je vais t'envoyer... là-bas. Je regarde sur la carte de campagne, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'il a lui là-bas? Putain, il a beaucoup trop de paysans, ça va être trop chiant si je fais ça. Je vais passer à 19. Des paysans. Ça veut dire que j'aurai 5 unités possibles, faudrait que j'en vire. Lord of Bretonnia. 6, 8, 10, 11. Et je passe à 25. Si jamais je le fédère maintenant, il faudra que je vire 6 unités. Mais c'est pas grave. Sans tu payes. Ouais. Ouf. Allez, ça me fera du pognon en plus. Hop. Voilà. Ça c'est fait. La quenelle, alors ça va virer parce que ça m'intéresse pas du tout. Putain. Aïe. Une écurie de niveau 3, c'est bon. Ouh, de niveau 3. Ouais. Là du coup, ouais, c'est quoi comme truc? Ça c'est cool. Les chevaliers de la quête. Oh merde, j'arrive pas, c'est mal branlé leur système. Et du chevalier du royaume. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est de la merde leur système. Ouais, on a même armure. Kef, je vais virer quoi d'autre? Attends, cette armée là, je vais l'envoyer du coup. C'est bizarre ça. 38-36. Je vais partir du principe que les elfes m'attaqueront pas. Non mais je... Et que du coup, je vais envoyer mes troupes au sud. Ah ça c'est sûr, ils t'attaqueront pas, de toute façon les voisins, mais... Ah. Je vais durer, mais ils ont une bonne charge. Deux unités... Ah mais c'est chaud de virer ici, ils ont tous des rangs stylés. Et bah, au pire tu vires les tiens et tu réunifies les armées. Enfin j'en sais rien, mais... Voilà, c'est bon. Là, je fais 19 sur 19. Des archers de rang 5, toi. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi mais ils veulent pas prendre des rangs? Ah bah j'ai... Ils se sont fait... je sais plus combien d'armées de... Je sais pas combien d'armées de d'hommes bêtes. Non mais moi, ils sont même pas rang 1. Ils ont rien. C'est la cavalerie. Elle a pris quelques rangs vite fait, tu vois. Alors ensuite, faut que je vérifie des trucs. Parce que là-bas, leur écurie, elle m'intéresse beaucoup. Mais je pourrais peut-être virer celle que j'ai ici pour remplacer par autre chose.
Pourquoi il est bien? Blessings of the lady be upon you. Ouais, c'est bon, deuxième. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Attends, mais ton gars là. Reolas Armistead. Il a des cornes sur son casque? Ouais. Ok. Tu m'annonces ça au calme. Ouais. Bah bien sûr qu'il a des cornes à son casque, pourquoi ça te pose problème? Oh, pas spécialement. Parce qu'il te dérange. Bon. C'est pas personnellement que je trouve ça. Oui. Après, chacun son truc. Ah oui, c'est vrai que je fais ça. Hop. Si j'attends deux tours, je mets 2006 de plus. Donc, je peux... Donc dans deux tours. Dans deux tours, je pourrai. Votre tour. Oui, je m'en tour. Ah, mais ça, c'est les orques là-bas. Ça, c'est ah, chiant. Ah, héros de Lyonnaise. Bien. Oui, du god, faction rencontrée. Bah, oh, c'est bien, je ferai des lignes avec ah, c'est Baston, F. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Bah, non, je vais pas te fédérer, toi. Non, dans l'immédiat, faudrait peut-être prendre des trucs d'épaule verte parce que. Non, attends, c'est où? Non, l'épaule verte, c'est là. Parce que les épaules vertes sont pas loin, mais là, dans l'immédiat, il y a. Non, je suis bien, la Bretonie au milieu. Pas besoin de se faire chier. Ah, mais les équilibres à pied, c'est aussi des paysans? C'est chiant, ça. Ah, et ça, et les hommes bêtes aussi. Faudrait peut-être que je prenne ça, parce qu'ils ont tendance à être chiants. Bref, je vais peut-être reprendre mes recherches sur le... les fermes. Mmh. Entretien, moins 5% pour toutes les unités d'infanterie. Quoique, c'est pas mal, ça. Mais ça, ça fait plus d'infanterie. Ah, je ne sais plus. Je sais pas dans quoi je me lance là, mais si je fais la guerre à l'Estalie au sud, ils ont des garnisons qui font peur hein, dans leur capitale. Je vais voir ça. Ouais, bien, je pense. Alors, Charry, et après on partira sur ça. On aurait plus. Ou alors sur celui. Je sais pas. Peut-être lui. Je verrai en temps et en heure. Dans l'immédiat, tu te pars sur ça. C'est tout ce que. Mais bon sang! Tu pars sur cette amélioration qui prendra 5 tours. L'Empire, tu veux pas faire du commerce du coup? Je t'entends. Je t'offre même, tu sais quoi, un petit paiement. Voilà, 200-300. Ah, il rejette. Hein. Abject créature. Là, le problème, c'est que lui, il y a trop de troupes. Il va vers sa base, je peux pas faire grand chose. C'est chiant. Putain, petit échec de Tristram. C'est pas grave, ça suffit pour qu'il monte niveau 10. On va. Peut-être de la puissance des armes, ça c'est cool. La puissance des armes. Il a eu un petit peu d'armure. Peut-être la puissance des armes. Ouais, la puissance. Je sais pas. Je mettrai un de défense à peu près. Ouais, la puissance et un de défense. Ouais, on va faire ça. Après, je le foutrai dans mon armée. Et puis, on n'en parlera plus. Quoique, je peux en recruter un. Prochain tour, j'aurai 3000. 3300. Je vais peut-être pas recruter ce tour-ci. On va peut-être attendre un petit tour pour voir comment ça se passe. Et puis, il y a l'autre con, il devrait peut-être finir par revenir. Hein, qui était plein d'entrain, qui est arrivé, il a fait oh, je vais mater la rébellion, il est mort. Alors, Baston, qu'est-ce qu'il me fait? C'est les culs des vampires. Ah, bah, je peux faire un accord commercial avec Baston maintenant. T'es vachement cool. Efficace. Avec. QL. D'accord commerciaux avec. Parce que j'avais pas de. J'avais pas de voix pour faire. D'accord commerciaux avec Baston, et du coup maintenant si. Ah, bah oui, du coup, ouais, t'as une frontière directe. Yep. Ici, je vais faire des murs. Direct. Ici, moi aussi, je vais faire... j'ai une frontière directe avec toi. J'ai une frontière directe avec Bastogne. Et j'ai une frontière directe avec Mizoul, je sais pas quoi, Milouz. Voilà, on va l'appeler comme ça. Alors, est-ce que tu peux faire un truc ici? Ah non, mais c'est ça qu'il fallait que je fasse. Merde, il y avait le con, il y avait un gros con. 12% de chance de blesser le héros. Ah, c'est compliqué. Ici. Da 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 da.
16% de chance d'être blessé derrière, c'est chaud. Si Jean il va le confédérer. Après que ce machin m'attaque et qu'il ait plus rien, que je le fais attaquer avec cette armée. Protector of the realm. I will not. My reputation. Faut que je vois. Ça, c'est la même chose. Arme d'Ast. Attends, c'est pas du tout la même chose. Do you know who I am? Do you know who I am? Non, j'ai pas la taille la même. Si, mais leur barre d'XP a quand même augmenté. Donc c'est important quand même que je les garde, parce qu'ils ont rien. Ouais, mais Arme d'Ast, c'est quand même mieux que ce que j'ai. Meilleur commandement, meilleure attaque en mêlée, meilleure défense en mêlée, meilleure puissance déjà, meilleur bonus de charge. Ils sont mieux en tout point. Bon. Je te laisse faire ton tour, moi je vais m'absenter deux secondes. Et ouais, fais donc. André Paquet Paladin. Votre paladin André Paquet vient de revenir enfin prêt à remplir son devoir. C'est une bonne chose. Le port de Camembert. Et ça, le port de Camembert, on va s'en souvenir longtemps. Parce que ça va me donner tellement de thunes. Ouais, ça a l'air. Bon, alors, faut que je gère mon truc. Parce que faut qu'au prochain tour, je puisse faire l'amélioration de 4350. On s'en voit, ça me reste large. Je peux me donner genre 500 de large, mais je pourrais pas recruter, je pourrais faire une action. Mais pas forcément recruter. Je peux récupérer lui dans mon armée. Les sortir du mode camp. Prendre lui, qui s'est fait def tout à l'heure. Attaquer les unités, 30% de réussite, 9% qu'ils soient blessés. 49% de réussite. Pour la même quantité de chances de se blesser. Et là, 50%. On va prendre le 49. Je sens qu'il va faire de la merde. Ouh, j'ai menti. Il s'est très bien débrouillé. Et lui, par contre, on va partir sur du martial. Pour faire ça, embusquer. Attaquer les unités, 4% de pertes infligées supplémentaires. Donc je pense qu'on fera ça. Pour vraiment saper les troupes de l'ennemi. À ce niveau-là, lui du coup il est pas mal. Hein. Tristran le Beau dans l'armée, il va être très efficace. On va bien le garder comme ça. Effectivement, il faudrait recruter une dernière unité de cavalerie. J'aurai mon armée parfaitement prête. Pour Castagne. Du vampire. Mais pour ça, niveau de l'argent, j'ai pas envie de dépenser. D'ailleurs, est-ce que lui... Ah, mais on lui proposera un accord commercial à chaque tour. Et sans lui donner, ne serait-ce qu'un petit rond. Rien du tout. Je lui ai juste donné un patapon. Et même eux... Hop, ils acceptent des choses. Et du coup, maintenant, je voulais regarder quelque chose. Comment on fait pour le confédérer? Je ne sais même pas. Je sais même pas comment on fait. Je sais pas. Bon, on verra bien, de toute manière. Il y a quoi? Rompre accord commercial. Non, ça, c'est pour rompre les trucs. Paiement, rejoindre la guerre contre, déclarer la guerre. Alliance militaire, devenir vassal. Demandez à cette faction de devenir votre vassal. Ouais, mais non, c'est pas trop ce que je cherche. Faudrait peut-être qu'il y ait déjà une alliance militaire. Tu veux pas, hein? Si, il veut. Et c'est très bien. Non, mais je peux pas. Pourquoi je peux pas? Pourtant, j'ai le truc qu'il faut. C'est bizarre. Très étrange, mais bon. Pourquoi?
pourquoi pas. Du coup, ce niveau-là... Tant pis, voilà, je ferai l'attaque. Hein. Bon, pas grand-chose, écoute. Hein, là, je fais motivé. J'ai réussi à faire des accords commerciaux avec l'Empire, je suis plutôt content. Cool. Mais tant pis, là, je vais avoir encore un tour d'attente. Et puis, j'espère qu'il va m'attaquer, parce que là, ça lui fait 20 unités. Ouais, j'en ai 19 maintenant, je sais pas s'il est bien chaud pour m'attaquer.